Alors les marchés flottants existent maintenant depuis une vingtaine d'années et nous sommes trois départements à participer, le Tarn-et-Garonne, le Gers et le Lot-et-Garonne. Et effectivement, cette année, c'est le Lot-et-Garonne qui préside cette édition. Donc une année c'est le Gers, une année c'est le Tarn-et-Garonne. Alors c'est une préparation qui se fait sur plusieurs mois, car nous travaillons avec les producteurs locaux pour savoir comment ils souhaitent organiser leur présence ici, sur les quais de la Seine à Paris, durant ces marchés flottants. Oui, un événement important parce que d'abord c'est une véritable vitrine pour nos producteurs, que ce soit évidemment ceux du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et du Gers. Et on a pu voir aujourd'hui, en faisant la visite avec la maire de Paris, Madame Hidalgo, combien ils étaient heureux d'être ici parce qu'ils y voient une véritable valeur ajoutée pour mettre en valeur leur production. Mais justement, on travaille notamment avec la DRT 47, donc l'ancien comité départemental du tourisme, pour valoriser effectivement tous les atouts de notre département, pour inciter les Parisiens et les autres, parce qu'il y a beaucoup de touristes, puisque ce week-end, c'est aussi les journées européennes de patrimoine, pour éviter tous les touristes venant ici au marché flottant de venir visiter notre département.